La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Monsieur Gagné, vous avez gagné Rénal. Hey, ça, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas le phrase, j'ai rien. Oh, j'ai laissé ça au comptoir lunch. J'ai laissé la phrase au comptoir lunch. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire quelques secondes, on enlève la chaise de là. On se déplace, c'est du direct. On se déplace. La carcasse, attention, on va plus loin, ici, restez en onde, bougez pas. On va prendre la petite boîte en carton, on revient. C'est tout simplement comme ça qu'on va faire. On ramène, on assit le petit fessier. On ramène la chaise, la table, et voilà. C'est de la magie. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas le dire en ondes. Mais voyons donc, t'es gêné. Je suis très gêné. Tu me connais mal. Tu me connais mal, Elvis. Ouais, ouais, ouais. T'aurais peut-être dû mourir comme Alice Rojanis. T'avais pas le droit de vieillir, bien sûr, y'en a des bien plus fous que toi. Y'a Big Jagger, y'a Rénal Gagné. Ah, oh, pas Rénal, oh oui, oh. Et puis David Bowie, c'était toi, le fondateur de mon fan club. Ah oui, le fan club de Diane, de mon fan club, de mon quartier, Elvis. J'étais la fondatrice, moi, Diane Dufresne, de ton fan club de mon quartier. Elvis. J'ai laissé mes 15 ans, ensuite j'ai fait ma vie, mais j'ai gardé longtemps ta photo au-dessus de mon lit. C'était moi, la fondatrice, le fan club de Rénal Gagné sur Facebook. Oh oui, Errance Rénaldienne, vous pouvez être membre du fan club de l'Errance Rénaldienne. Vous tapez sur Facebook Errance Rénaldienne et devenez mon ami. Vous allez avoir toutes les actualités, c'est pas vrai, vous allez vous endormir. Non, mais vous allez au moins collaborer à cette grande folie. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Hein? Mais je suis trompé de feuille. Rénal va ressortir de sa guérite. Attendez un petit peu. On y va. C'est du direct. C'est merveilleux. Ah, c'est ça ici. Ben oui, c'est la petite. C'est la cuve, là. Bon, on referme. On retire la chaise. C'est merveilleux. Ah, heureusement que c'est de l'artisanat radiophonique. Ah, c'est. On fait pas ça ailleurs, hein? On coupe et on dit on revient après la pause ou la publicité. Et ensuite, nous revenons. Et non, nous, il n'y a pas de publicité. On revient pas. On est ici. On reste avec vous. On aime ça. Hein? On perd nos feuilles. C'est fantastique. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour être heureux? Hey, peux-tu le faire, toi? Ben, je peux le faire. Qu'est-ce que... Oui, mais maintenant, on va attendre plus tard, OK? J'aimerais bien ça le faire, mais plus tard, si ça te dérange pas, OK? Hey, peux-tu le faire, toi? Oui, oui, oui. Dans quelques secondes, quelques minutes. Tu vas voir. Tu vas entendre ça.
La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.